ជាបន្តនេះអង្គជំរះចង់ស្ដាប់នៅមតិយោបល់ពីភិក្ខុសិស្សជាតិពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសំណើសុំដាក់ឯកសារជំពូកមុខអង្គជំរះរបស់មេធាវីតំណាងដើមរងរដ្ឋនីក្រមមួយដែលមានឯកសារចាស់នៅក្នុងទំនុំរឿងដែលបានបង្ហាញរួចហើយហើយនឹងឯកសារដែលបានរកឃើញថ្មីចំនួន 8 មានមតិយោបល់យ៉ាងម៉េចដែរមេធាវីការពារក្តីសូមអរគុណលោកប្រធានចំពោះមេធាវីការពារក្តីយល់ឃើញថាឯកសារដែលមេធាវីដែលមិនដឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្រមមួយបានសុំបញ្ចូលទៅក្នុងសំណុំរឿងគឺមានឯកសារដែលនៅមាននៅក្នុងសំណុំរឿងស្រាប់ ចំពោះឯកសារដែលមាននៅក្នុងសំណុំរឿងស្រាប់នេះខ្ញុំយល់ថាមិនគួរដាក់ថែមទៀតវានាំតែច្រើនទេហើយបើសិនជាមេធាវីក្រុមមួយយល់ឃើញថាចំណុចណាជាចំណុចសំខាន់នោះនៅពេលធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានសង្កត់ទៅលើចំណុចនោះទៅហើយឯកសារអីលេខប្រមាណអីប្រមាណអឺអេអិនប្រមាណគឺសូមបញ្ជាក់នឹងទៅបានហើយមិនគួរដាក់ឲ្យនាំតែច្រើនព្រោះវាមានស្រាប់នេះជាចំណុចទី 1 ចំណុចទី 2ឯកសារថ្មីតាក់ទងនឹងស.21បើតាមគោលការណ៍យើងឃើញថារាល់ឯកសារដែលចេញពីស.21នេះយើងត្រូវដាក់នៅចៅជូនទៅចៅក្រុមស៊ើបអង្កេតនៅពេលស៊ើបអង្កេតដើម្បីដេញដោលរកហេតុផលហើយឯកសារខ្លះមានសិតតែមានឈ្មោះមនុស្សនៅក្នុងនោះអ្នកដែលធ្វើឯកសារហ្នឹងអញ្ចឹងមនុស្សខ្លះដែលធ្វើឯកសារហ្នឹងវានៅរស់ ដូច្នេះគេត្រូវដេញដោលគ្នានៅចៅក្រុមស៊ើបអង្កេតដូច្នេះខ្ញុំយល់ថាដាក់ឯកសារចេញពីទួលស្លែងខាងខ្ញុំនេះគឺទទួលយកមិនបានទេពីព្រោះវាហួសបើឯកសារដែលក្រៅពីទួលស្លែងអាហ្នឹងខ្ញុំអាចទទួលយកបានសូមអរគុណ Oui, merci, Monsieur le Président. Le Prince Barou, ce matin, effectivement, nous sommes extrêmement surpris, Monsieur le Président, Madame, Messieurs, de ces demandes tardives. Et dont on ne voit pas le lien avec les personnes que défendent les confrères du groupe numéro 1. Vous demandez à verser les aveux de Yann. Est-ce que le nom de votre client serait cité dans ces aveux? Je croyais que nous avions dit que on ne pouvait pas se servir des aveux, mais en plus, si le nom, d'un de vos clients n'est pas visé dans ces aveux, quel intérêt pour vous participer? À nouveau, je constate, Monsieur le Président, Madame, Messieurs, que les parties civiles veulent se faire procurer. Ce n'est pas leur rôle. Si ces documents concernent un de leurs clients, alors on peut discuter. Même si tout ça est très tardif, et la première question à poser, est-ce qu'il concerne un de leurs clients vous défendez? Pour votre travail d'enquête, ma consoeur. Mais je suis désolé, je crois que vous travaillez avec une organisation non-gouvernementale qui travaille sur ce sujet depuis des années et des années, qui régulièrement, depuis le début du procès, alimente son site internet
J'espère que la Chambre a vu dernièrement sur le site de DICICAM le deadline pour la sentence à Reykjavik. Vous ne fatiguez pas, la décision vous est proposée clé en main par l'organisation DICICAM. Alors au lieu de faire ce genre de commentaire, je pense que cette organisation, qui est au travail depuis 10 années, aurait mieux fait d'aller chercher... comme a fait ma consorte Kishina, des documents à S21. De la même manière, je crois savoir que le bureau des coprocureurs a commencé ses enquêtes en 2006. Moi, je suis extrêmement surpris. Un an d'enquête du bureau des coprocureurs, rien. Un an d'enquête des juges d'instruction, rien. Un an ou presque de procès, rien. Et le dernier jour du procès, on arrive avec une liasse de documents en disant « ça, c'est important ». Et à nouveau, je pose la question, est-ce que vous avez trouvé dans ces liasses de documents le nom de personnes que vous défendez ? Non. Et à nouveau, pardonnez-moi, les partis civils, vous vous prenez pour des procureurs. Et chaque fois que vous confondez les rôles, vous prenez le risque de dérapage comme vous en avez été vous-même après les victimes la semaine dernière. Pardonnez-moi. Je voudrais qu'on sorte de ces... fonctionnement pour ma part. Et je regrette beaucoup, je salue le travail, mais ce n'est pas votre travail. Que vous trouviez des pistes et que vous alliez les apporter au bureau des comprocureurs en disant voilà, une piste intéressante pour l'ensemble du dossier, oui. Ou bien apportez-nous des documents qui concernent vos clients, oui. Mais ne venez pas alors que l'accusé n'a plus le temps de discuter de ces documents de manière contradictoire, n'a plus le temps de faire ses commentaires, ne venez pas sortir un lapin du chapeau. Nous sommes là pour faire de la justice, je l'ai déjà dit depuis le début, et non pas pour faire du spectacle. Donc, Monsieur le Président, Madame, Monsieur, je suis assez choqué de cette manière à nouveau de procéder. Je pense que vous aurez à cœur de rappeler les règles minimales de procédure et ce principe que je vous ai dit souvent, ennemi juré de l'arbitraire, la forme, c'est-à-dire la procédure, est sœur jumelle de la liberté. Nous vous demandons donc le rejet de ces documents. Monsieur le Président, puis-je répondre brièvement? Merci, Monsieur le Président. Très brièvement, sur la première requête de ma consort, comme vous le savez, selon le règlement intérieur, nous sommes là pour assister le coprocureur, et en effet, ma consort considérait, nous considérons de la sorte, qu'il est important que ce document qui est déjà au dossier soit simplement devant votre chambre. Je ne pense pas que cela porte préjudice d'aucune façon à la défense. Maintenant, par rapport à la deuxième observation de mon confrère, juste deux choses brièvement. Premièrement, il s'agit d'une petite liasse, parce qu'il s'agit de 18 pages, pas de centaines de pages. Ensuite, sur le fait que la défense ne peut pas répondre, ce n'est pas exact, parce que nous vous adressons aujourd'hui précisément pour que la défense puisse s'exprimer. Mais nous allons déposer une écriture. Et évidemment que la défense pourra répondre. Oui, ce ne sera pas en audience, ce sera par écrit. Mais la défense, et donc l'accusé, aura tout à fait loisir de pouvoir répondre
à notre écriture, qu'encore une fois, nous allons déposer la semaine prochaine, et dans laquelle nous vous demanderons d'admettre ces documents. Et peut-être n'ai-je pas été clair, ou peut-être n'ai-je pas été convaincant, ou peut-être les deux en même temps, mais c'est notre point de vue, et je pense qu'il est honnête, de soutenir qu'en plus de la pertinence, il est vrai, de la grande pertinence de ces documents vont être très importants pour nous pour pouvoir soutenir que vous ne devez pas, dans votre jugement, exclure quatre de nos parties civiles. Et ce n'est pas quelque chose de secondaire pour nous. Et il y a eu ce débat qui s'est développé tout au long de ces audiences, et la défense, et notamment l'accusé, a constamment insisté sur le fait qu'il ne reconnaît pas que telle personne a été AS21 parce que son nom ne figure pas sur les listes. Et ça a été développé à maintes reprises. Et nous avons développé notre argumentaire, mais c'est vrai que nous avons aussi, je pense que c'est notre devoir comme avocat de ces quatre clients, nous avons aussi essayer de trouver d'autres moyens de vous convaincre que ce n'est pas parce que le nom des proches de ces quatre clients ne figure pas sur les listes, sur cette fameuse liste consolidée du bureau du procureur, que ces quatre personnes n'ont pas pu être détenues à S21. Alors oui, je l'admets, c'est tout à fait clair que ce n'est pas le nom de mes quatre clients qui figure sur ces listes. Il n'empêche qu'il me semble de bonne foi de soutenir que, comme ces 14 personnes dont le nom figure sur ces listes, qui ont sans aucun doute été, sont décédées à S21, soit par maladie, soit par suicide, soit par torture, et qui, dont le nom ne figure pas sur la liste consolidée, de la même façon, il me semble parfaitement de bonne foi et honnête de soutenir que, de la même façon, les proches de notre quatre clients en particulier, et je peux vous donner à nouveau leur nom s'il est nécessaire, le nom de ces quatre clients, il est explicable que leur nom ne figure pas dans la liste consolidée, comme le nom de ces 14 personnes ne figure pas dans la liste consolidée. Donc, de bonne foi, il nous semble qu'il est important pour nos clients que ces documents ont de leur relevance pour ce dossier, que ces documents soient admis. Monsieur le Président, la bonne foi de mes contradicteurs n'est pas en cause. Ce n'est pas une question de bonne foi. Et vous le savez très bien, c'est une question de droit. Il est possible que les personnes que vous défendez aujourd'hui aient eu des parents à S21. C'est possible. Mais vous ne pouvez pas défendre tout et son contraire. Vous n'avez cessé les uns et les autres d'attaquer Duc en disant que c'était un homme extrêmement méticuleux. Et maintenant, vous essayez de dire qu'il y aurait des gens qui auraient été à S21 alors qu'ils ne sont pas sur les listes. C'est pas possible. Une cour ne peut pas dire probablement ces personnes étaient à S21, mais mon confrère, nous sommes juristes et vous savez très bien que si on ouvre cette porte, nous ne faisons plus de la justice. Je le regrette si, de bonne foi, vos clients pensent de bonne foi que des personnes de leur famille ont été à S21. Je ne mets pas en doute ni leur bonne foi, ni votre bonne foi. Mais quand on fait de la justice, vous le savez très bien, c'est sur la base de documents. Et particulièrement quand on dit de l'accusé que c'est quelqu'un qui justement passait son temps à être méticuleux et à écrire des documents. Donc je ne vois pas, Monsieur le Président, quelle que soit l'importance du débat que vous menez,
C'est un débat intéressant dans une conférence. Peut-être devant un tribunal, nous sommes obligés, et le procureur l'a encore dit tout à l'heure, de nous baser sur des documents. Alors vous nous présentez aujourd'hui des documents qui veulent dire que l'accusé est coupable. Ne vous fatiguez pas. Il est coupable, il l'a dit. Par contre, vous nous présentez des documents où on ne parle pas de vos clients. Je ne vois pas d'autre solution en l'état que de dire si ça peut rassurer les parties civiles. Dites donc dans votre jugement que ces personnes sont très certainement de bonne foi. Vous pouvez le leur exprimer, mais vous pouvez aussi leur rappeler le droit. Parce qu'on peut se tromper de bonne foi. On l'a vu dans ce prétoire. Que des gens se sont trompés de bonne foi. Et on ne peut pas faire une décision qui se trompe. Madame, monsieur. Thank you, Mr. President. On a less critical issue than those raised by the defense, can I just inquire a little more about the timing of the location and production of these 18 pages of daily lists? As I understand it, you received a translation on the 26th of August last, after waiting for up to a week for a photocopy. Do I assume from that that you found the information about a week earlier? Secondly, from the 26th of August until today is approximately 3 weeks. Can you explain why this material is not put before the chamber, while the evidence portion of the trial was still under discussion? Are you able to assist me with that, either Ms. T. Srinner or Mr. Werner? Yes, Mr. President, តេតតងតឹងនឹងបញ្ហានេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនលោកស្រីចក្រមថានាងខ្ញុំបានថ្ងៃ26 ខែ26 ខែសីហាឆ្នាំ2009គឺជាថ្ងៃដែលយើងទទួលបានឯកសារទាំងនោះពីព្រោះថាយើងបានចំណាយពេលវេលាមុននឹងដើម្បីស្វែងរកឯកសារទាំងនោះ ហើយបន្ទាប់ពីការដែលយើងរកបានឯកសារទាំងនោះមកយើងយកឯកសារទាំងនោះដើម្បីមកធ្វើការពិនិត្យបន្ថែមទៀតដើម្បីស្វែងរកឈ្មោះរបស់កូនក្តីយើងខ្ញុំថាតើមានការពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងមានឈ្មោះកូនក្តីរបស់យើងខ្ញុំនៅសាច់ញាតិរបស់កូនក្តីយើងខ្ញុំនៅក្នុងចំណុចនោះដែរឬក៏អត់ពេលនោះគឺជាពេលដែលយើងស្វែងរកទៅយើងឃើញថា មានអ្នកទោសជាច្រើនដែលបានស្លាប់នៅក្នុងមន្ទីរស-21នោះដោយពុំមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីកំតិចហើយក៏មានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីក្តាប់កម្លាំងអ្នកទោសប្រចាំថ្ងៃនោះគឺគ្រាន់តែសរសេរតាក់ទងទៅនឹងចំនួនអ្នកទោសនៅក្នុងមន្ទីរស-21នោះចំពោះអ្នកដែលស្លាប់ អ្នកដែលគេយកទៅសម្លាប់ទៅគេសរសេរឈ្មោះចេញនៅក្នុងបញ្ជីនោះនេះគឺជាចំណុចមួយដែលយើងប្រៀបធ្វើការប្រៀបធៀបទៅឃើញថាកូនក្តីសាច់ញាតិរបស់កូនក្តីយើងខ្ញុំទាំងបួនអ្នកនោះគឺស្ថិតនៅក្នុងកលៈទេសៈបែបនោះដែរមានន័យថាពួកគាត់មានពុំមានត្រូវបានស្លាប់នៅក្នុងមន្ទីរស-21ដោយពុំមាន បញ្ជីនឹងឯកសារច្បាស់លាស់ដើម្បីយកមកគ្រប់គ្រងនៅក្នុងការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងជាដាក់បណ្ដឹងរបស់វិញនេះហើយតេតងទៅនឹងចំណុចមួយទៀតមូលហេតុនៃការដែលយើងខកខាននៅក្នុងការដាក់
ឯកសារនងឲ្យតាន់ពេលវេលាគឺក្នុងកំឡុងពេលប្រហែលសប្តាហ៍នេះគឺជាសប្តាហ៍នៃការដេញដោលទៅលើសាក់សីក៏ដូចជាអ្នកជំនាញដែលដាក់ដោយមេធាវីការពារក្តីហើយនៅក្នុងកំឡុងពេលនឹងដែរខាងតុលាការក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យយើងខ្ញុំបញ្ចូលនៅឯកសារថ្មីថ្មីនោះដែរគឺបានកំណត់យ៉ាងច្បាស់ថាអាចដាក់បាននៅក្នុងនៅក្រោយពេលបញ្ចប់ការដេញដោលទៅលើការសួរដេញដោលទៅលើសាក់សីក៏ដូចជាអ្នកជំនាញដែលបានដាក់ដោយមេធាវីការពារក្តីនេះគឺជាហេតុមួយដែលធ្វើឲ្យយើងរងចាំឱកាសដើម្បីដាក់ឲ្យដាក់នៅឯកសារនេះផងដែរនេះគឺជាមូលហេតុដែលយើងខ្ញុំជួបប្រទះគឺជាឧបសគ្គដែលយើងជួបប្រទះនៅក្នុងការដាក់ឯកសារនេះសូមអរគុណអញ្ជើញI just saw that Judge Lavan may want to ask questions, so shall I address Honourable Judge? Just one thing more. First, there has been internal discussion within our team to try to understand the scope and the importance of the document. Secondly, there has been discussion with the prosecutor, the office of the prosecutor, because indeed we wanted to make sure that it was not a document they had within their office, without being in the case file, or it was not document that somehow we have missed in the case file. So there were discussions with the office of the co-prosecutors. And finally, as you know, in the last 3-4 weeks, there were civil parties in court, and then there was a discussion on the character of the accused and your decision that for some part we were not allowed to take part. We didn't see any opportunity at that stage for us to intervene in view of the fact that Rule 87.4 said that during the trial, either on its own initiative or at the request of the party, the chamber may summon hear any person as a witness or admit any new evidence. So we thought that under 87.4 we could file something until the end of the trial, which does not mean end of the hearings, but end of the trial. So we thought that we were still within the time imposed by 87.4 to file that motion. And when we understood that there would be discussions today, then we decided to show this morning or yesterday the exhibits to the Defence Council and to orally make the argument in front of Your Honour. So that's the best we can provide as explanation at that stage. Oui, merci, Monsieur le Président. Il me semble n'avoir pas entendu une partie. Je voudrais savoir si les coprocureurs ont eu connaissance des documents dont les parties civiles demandent le versement au débat et s'ils ont une opinion sur cette demande et s'ils estiment que ces documents pourraient être utiles à la manifestation de la vérité. គោលបំណងនៃការដាក់សំណើដែរឬទេហើយគាត់ដឹងតើសហប្រញ្ញាអាចដឹងថាដែរឬទេថាឯកសារនេះវាអាចជួយដល់ការលាតត្រដាងទៅដល់ការពិតដំណាងសហប្រញ្ញាគឺ civil party concern បានស្នើសុំជួបជាមួយនឹងសហប្រញ្ញាហើយនៅក្នុងការប្រជុំនោះ along with one colleague បានចូលរួមជាមួយនឹងសហការរៃនៃសេវិតរបស់ខ្ញុំម្នាក់យើងក៏បានជម្រាបទៅមេធាវីដំណឹងរដ្ឋប្រវេណីថាប្រហែលជាវាជាឯកសារពាក់ព័ន្ធ may refer to matters at issue at this trial ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអង្គហេតុដែលយើងដោះស្រាយនៅក្នុងសមណការរបស់យើង considerations under 87.4 ការពិចារណាលើ diligence has to be demonstrated for this document to be adopted or accepted by this court should be met. So we said that of course it's up to you to tender this document and we shall take a position accordingly. And because the document is relevant and because the civil parties, given their limited resources, have brought them before you,
we shall take no position on this matter, Your Honor. Tha yeung ko ban ni ve min phiep cham baich hoy ve pep pon dichne hoy yeung ku tae picharana te leu ka dak samna ni phong dae som akun. Chey lok Pitavi Francois Roux. Monsieur le Président, Madame, Messieurs, il va de soi que si ces documents devaient être versés au débat, vous devez réouvrir le débat pour que vous puissiez s'expliquer. Nous avons tous souhaité que ce procès ne prenne pas de retard. Vous êtes en train ខ្ញុំបានប្រឹងប្រែងដល់មកប្រជុំនៅថ្ងៃទី11ហើយថាកម្ពុជាមានសាសនាសូមឲ្យពន្យារយៈពេល ការយល់ឃើញទៅការស្វែងរកយុត្តិធម៌ហើយយើងអាចធ្វើការដេញដោលទៅលើផុសតាងនឹងថ្ងៃទី20 8 ខែ ដូច្នេះវាមិនត្រឹមត្រូវទេវានាំឲ្យមានការអូសម្លាយពេលវេលាលោកអញ្ញេបានទេថាតើសុំនិយាយនឹងប្រមាណដងទៀតរបៀបនេះអាចឆ្លើយបានទេករណីហ្នឹងឆ្លើយតឆ្លើយខ្លងនេះប្រមាណដងទៀតមែនទេវិ Votre chambre demande au procureur de s'exprimer sur cette demande. Nous avions fini, je pense, les débats. Le procureur s'exprime et vous laissez la défense à nouveau s'exprimer. Elle reste d'autres points. Donc il me semble juste normal que je puisse répondre en un mot à ce que Maître Roux vient de dire. ឆ្លើយតបទៅលើចំណុចនឹងដូច្នេះហើយវាជាភាពត្រឹមត្រូវដែលខ្ញុំសូមឆ្លើយតបទៅលើអ្វីដែលលោកមេធាវីហ្វ្រង់ស្វារូបានលើកឡើង ខ្ញុំ មិនយល់នៅអ្វីដែលលោកនិយាយនេះទេ កំពុងតែជជែកយកឈ្នះយកចាញ់ យកខុសយកត្រូវរៀងខ្លួនតែតាមរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាកំណត់ស្របគ្នារវាងវិរិយាជាមួយនឹងមេធាវីហ្វ្រង់ស្វារូលោកបញ្ជាក់ម្ដងទៀតមើលឲ្យច្បាស់ហើយជាលើកចុងក្រោយនៃការតិចជែកអំពីបញ្ហាដែលបានលើកឡើងនេះដើម្បីទុកលទ្ធភាពជូនដល់ម្ដងរដ្ឋអភិបាលផ្សេងទៀតលើកបញ្ហាផ្សេងទៀតដើម្បីលៃពេលវេលាអាចស្អែក ដើម្បីក្តាប់បញ្ហាទាំងអស់នឹងឲ្យជុំហើយនឹងតើកំណត់ថាសកម្មភាពការនឹងត្រូវធ្វើបន្តប្រមាណសប្តាហ៍ទៀតដើម្បីបិទការស៊ើបសួរដើម្បីបិទការពិភាក្សាដេញដោលនោះបើបញ្ហានេះវាទំហំធំធេងវាត្រូវតែបើកការតិចដេញដោលពិនិត្យលើឯកសារដែលមានបញ្ហាដែលដាក់ដោយភាគីនេះតើភាកសរឬក៏ប៉ាន់ស្មានពេលវេលាត្រូវដេញដោលប្រមាណសប្តាហ៍ទៀត Oui, Monsieur le Président, sauf simplement un mot, je serai très bref. Premièrement, évidemment, je vous l'ai dit à plusieurs reprises, nous considérons que ces documents apportent quelque chose. Deuxièmement, si Maître Roux affirme que ces documents n'ont aucune valeur, alors il n'y a pas de préjudice pour la défense, et je pense que selon 87.4,
Il est tout à fait possible pour la défense de répondre par écrit et que l'accusé par ses avocats réponde par écrit après avoir pris note de ses documents. Donc nous contestons simplement la dernière observation de François Roux. Et puis, Monsieur le Président, avec respect, les procureurs n'ont pas pris position. Ils ne sont pas d'accord avec la défense ou avec les parties civiles. Ils n'ont simplement pas pris position. Je vous remercie. គាត់នោះទេហើយគាត់ក៏មិនយល់ស្របជាមួយនឹងមេធាវីការពារក្តីឬក៏គាត់មិនយល់ស្របជាមួយនឹងមេធាវីដើមដឹងរដ្ឋប្រវេណីរបស់យើងនោះដែរដូច្នេះគាត់មិនទាន់ប្រកាន់ជំហររបស់គាត់នៅខាងភាគីណាមួយនៅឡើយទេសូមអរគុណ Trình lục phòng thuật phân lục dòng mắc. Merci Monsieur le Président. Je souhaiterais qu'on revienne un petit peu sur une question qui a été abordée tout à l'heure par la défense qui concernait le résumé en français des documents que les coprocureurs entendent verser au débat sur le conflit armé. Ce que je souhaiterais savoir de la part des coprocureurs, c'est si les résumés document par document qui a été joint à leur demande si cette liste de résumés a été envoyée pour traduction en français ou si ce n'est pas le cas. Et la deuxième chose, c'est que j'aurai ensuite une question pour la défense, mais peut-être déjà les procureurs pourraient-ils répondre à cette question. Est-ce qu'il y a une demande actuellement en cours pour une traduction en français de la liste des documents présentés pour être versé au débat au sujet du conflit armé. Your Honour, on the 29th of April 2009, we filed our annexes to the armed conflict documents which run into some pages with detailed summary of each document. It was filed in the two languages that the Office of the Co-Prosecutor has chosen under the practice directions. Once they have been filed in the two languages that the Office of the Co-Prosecutor has chosen, then it's for the court management section to translate them in the language of the other parties. Now, at this stage, I cannot assist Your Honours whether this is under translation, but I shall be able to assist the first thing tomorrow morning whether it is under translation as requested by Your Honours or the court management section. But we file in the two languages, which is English and Khmer, which are the languages that the Office of the Co-Prosecutor has chosen under the practice directions for filing of documents. However, now that I have the floor, just one more minute to add that a number of these documents, and I can give figures should I have time, are also the documents themselves, not just the summary, in more than one official language of this court. There are 430 documents. More than 200 are at least in two languages. So I can assist you further, but in respect of the annexes, I'll be able to assist first thing tomorrow morning. Merci. Donc, nous écouterons avec intérêt donc ces précisions demain.
J'aurais maintenant une question à la défense. Il m'a semblé comprendre qu'il y avait eu une proposition de la part du bureau des coprocureurs en ce qui concerne les aveux qui sont censés supporter des annotations de la part de l'accusé. Une proposition pour que vous réunissiez et que vous puissiez discuter parmi ces documents, quels sont ceux qui pourraient faire l'objet d'un accord pour être considérés comme étant versés au débat. Parce que je n'ai pas entendu de réponse de la part de la défense, est-ce que cette proposition est acceptable, acceptée, qu'est-ce qu'il en est exactement de la position de défense sur ce point précis. Je vous remercie, Monsieur le juge. Pour une fois, je vais être extrêmement rigide. Je dirai à la Chambre que je considère que nous avons passé beaucoup de temps à discuter avec le bureau des coprocureurs. Et du temps, jusqu'à preuve du contraire, je ne passerai pas plus de temps. C'est clair. Et je pense que le bureau des coprocureurs a fait une autre proposition qui m'évitera de perdre du temps. C'était de vérifier lui-même les documents qu'ils ont produits en audience. Et là, nous pouvons nous mettre d'accord sur les documents qu'ils ont produits en audience. En ce qui me concerne, je n'irai pas plus loin. 3 mois de discussion sur la reconnaissance des faits. 3 mois. Jour et nuit. Pour rien. Your Honours, I don't mean to make it endless, but just to conclude in response to what my learned friend observed. This matter before you right now in respect of annotated documents has got nothing to do with agreed facts. Therefore, my respectful submission in light of the acceptance of other documents by my learned friend was that we can consider with my learned friend should he wish to evaluate such documents that he may agree to accept. In the absence of such agreement, as I now see that is the case, we would press that these documents be taken on record and considered put before the chamber on the basis of our application. Just to add that we have removed from this list such documents that were put before your chamber and have been granted an E3 number. Now, I must respectfully submit that there is a delay in our receipt of E3 numbers. Therefore, such documents that were put before you, which have not yet been granted E3 numbers, find a mention in this annex. But those who have already been granted E3 numbers have been removed from this list. And one last request on this E3 number issue. Your Honours, we would most respectfully submit that an E3 number be granted to a complete document and not one or two relevant pages that were discussed in the chamber. That may assist you in your final analysis when you deliberate on judgment to have the complete document before you. And should there be an appeal, it should be helpful for an appeals chamber to deliberate on the basis of the complete document. And in that view of our matter, our submission would be that all those documents whose ERNs have been read before you in your chamber should be granted E3 status, because we should be sure what we should include in our closing submissions, which are due very, very shortly, Your Honours. That's my limited submission. Thank you. Je
Juste un point d'ordre, je ne réponds pas, j'ai déjà dit. Un point d'ordre tout de même. J'ai demandé tout à l'heure que soit mis sur le site l'intégralité des documents qui seront versés au débat. Mais pour ce qui est des confessions, je pense que nous ne pouvons pas les mettre sur le site. Par respect pour les victimes. Donc il faudra rester extrêmement attentif. Peut-être la première page, là où il y a des annotations de Douk lorsque ça aura été discuté en audience. Mais j'entends que le procureur voudrait que l'on mette, que l'on verse au débat la totalité de la confession. Je pense que le respect de la mémoire des victimes demande que l'on ne mette pas sur le site la totalité des confessions. Donc je veux juste attirer l'attention de la Chambre sur cette question. Pour le reste, je m'en tiens à ce que j'ai dit, c'est-à-dire que je souhaite que ne soient au débat que les documents des confessions qui ont été discutés à l'audience publique. Je suis là. ហើយលើកមានតែចម្លើយសារភាពឬចំណាទាំងឡាយដែលបានដេញដោនៅក្នុងតុលាការរបស់យើងទេដែលគួរដាក់ចូលទៅក្នុងអង្គជំនុំជម្រះរបស់យើងសូមអរគុណ Oui, Monsieur le Président, une dernière question au coprocureur. Nous avons pu comprendre que vous aviez le souci de voir ce procès mené de façon rapide. Et nous aurions une question à vous poser, puisque parmi les 60 documents qui sont censés comporter des annotations de l'accusé,
Est-ce que vous présentez ces documents, y compris ceux qui n'auraient pas fait l'objet d'une discussion contradictoire au cours des audiences, ou bien est-ce que vous acceptez de limiter la production au débat à ce stade de l'audience uniquement aux documents qui ont fait l'objet d'une discussion contradictoire? Parce que si ce n'est pas le cas, je pense que ça soulève une difficulté, parce qu'effectivement, il faudrait que la défense puisse éventuellement répondre, présenter d'observations sur les documents qui n'ont pas été discutés jusqu'à présent. Donc notre question est de savoir c'est si les, ce bureau des co-procureurs acceptent de limiter sa demande de versement au débat aux documents qui ont déjà fait l'objet d'une discussion contradictoire au cours des débats. Sachant que tout à l'heure, la défense a parlé des documents qui ont été produits à la demande du bureau des co-procureurs, je préciserai qu'il y a, me semble-t-il, des documents qui ont également été présentés à l'accusé par la Chambre elle-même, voire, me semble-t-il, aussi par certaines parties civiles, donc pas limitées à ceux que vous avez présentés vous-même. Your Honours, I have an answer. But subject to Your Honour's leave, if Your Honours are minded to adjourn for the day, I will give you a very considered response in the morning, keeping in mind a very serious observation made by His Honour, Judge Laverne. But should that not be the case, I'm happy to respond. But I'd be very respectfully submitting that Your Honours may allow me first thing in the morning to make observation on this, and we shall try, should it be possible, to discuss it with defense overnight to come to a conclusion. Otherwise, I'll make my observations the first thing tomorrow morning. If Your Honours are not adjourning, I shall give my tentative response. Juste une dernière question à la défense pour que l'on sache comment on s'organise demain. Est-ce que la défense aura des documents nouveaux à verser au débat, juste pour information? La chambre a notre liste de documents qui avaient déjà été demandés à la côte D80. Et nous avions également au début du procès à la cote E59, demandé le versement de certains documents qui sont en fait pour l'essentiel des livres et des documents vidéo et écrits de l'audience Obrenovic. Et nous avons alors, par contre, un tout dernier document que nous souhaiterons, qui lui est tout à fait nouveau. Il s'agit d'un document d'une interview donnée par la partie civile Chumei dans un journal français, que nous ne voulions pas verser tant que nous n'avions pas diffusé la vidéo que nous avons vue aujourd'hui. Et c'est juste une page d'interview et que nous souhaitons verser au débat. Nous pouvons voir la vidéo. Mais c'est la seule chose nouvelle, tous les autres documents sont déjà, je dirais, déclarés. Après, il reste à savoir s'il y a des discussions dessus, mais ils sont déjà déclarés. Ça ne devrait pas prendre beaucoup de temps. Donc, je ne vais pas vous dire que je ne vais សម្រាប់នៅពេលរសៀលហើយតទៅទៀតក៏អត់ចប់ដែរដោយសារនៅ
មេធាវីតំណាងដើមរដ្ឋធម្មនុញ្ញ3ក្រុមទៀតក៏មិនទាន់បានបង្ហាញពីការដាក់ឯកសារនៅចំពោះមុខអង្គជំរះដែលគាត់មានបំណងនឹងដាក់នោះដែរហើយនៅការឆ្លើយតបរបស់សហប្រជាជាតិចំពោះការដាក់ឯកសាររបស់មេធាវីកាលពីក្តីហ៊ានអញ្ចឹងឃើញមានបញ្ហាច្រើនដូច្នេះទេអង្គជំរះ ប្រកាសផ្អាកដំណើរការសម្ដនាការសម្រាប់ថ្ងៃនេះត្រឹមនេះហើយសម្ដនាការលើកទៅបន្តនៅថ្ងៃស្អែកចាប់ពីម៉ោង9ព្រឹកអនុរិយមន្ត្រីឃុំឃាំងឲ្យនាំជំរាបចោលទៅកាន់មន្ត្រីឃុំឃាំងវិញហើយឲ្យនាំគាត់មកកាន់សាលសម្ដនាការនេះនៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកឲ្យបានមុនម៉ោង9ជាកំហិតសូមអញ្ជើញក្រោកចោល